quatre amis ont apporté chacun un cadeau qu'ils placent dans une corbeille. Ils tirent ensuite au sort pour distribuer les cadeaux. Question, quelle est la probabilité qu'aucun des quatre amis ne reçoive le cadeau qu'il avait lui-même apporté? Il s'agit évidemment de la factorielle de quatre possibilités, c'est-à-dire 24 possibilités que nous avons rapidement rédigées dans ce tableau. De toutes ces possibilités, nous allons d'abord éliminer toutes celles où le A se trouve dans la première colonne, donc nous barrons de suite ces six possibilités. Ensuite, nous supprimons toutes les possibilités dans lesquelles B se trouve dans la deuxième colonne, c'est-à-dire nous barrons ces quatre possibilités bleues. Maintenant, nous supprimons encore toutes les possibilités où le C se trouve dans la troisième colonne, c'est-à-dire nous barrons ces trois possibilités vertes. Et il reste encore à supprimer toutes les possibilités pour lesquelles le D se trouve dans la quatrième colonne, donc nous supprimons encore ces deux possibilités magenta. Toutes les possibilités qui ne sont pas supprimées entrent en question. Il suffit maintenant de les compter. Il y en a une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, il y en a 9 sur 24 en tout. C'est-à-dire que la probabilité demandée est égale à 3 huitièmes et par conséquent, c'est le C, la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.